Est-ce que les mamans africaines célèbrent la victoire de leurs enfants? J'ai envie de vous le demander sur le plateau. À ton avis, comment est-ce qu'elles célèbrent? C'est le wouli li li li. Les youyou, les youyou, comment je vais chercher, et vous? Moi, je pense qu'elle danse, elle met de la musique, elle danse pour toi, oui. Voilà. Et toi, Siri? Bravo, mon fils, bravo, tu l'as fait. Bon, si je vous disais qu'on avait tous raison, mais on regarde son image. Ouais, un peu grande folie. Non, elle déborde de joie, justement, de fierté pour sa fille. On rappelle le contexte, Nazira, sa fille qui a été graduée avant-hier, il y a déjà 2 jours, parce que ça fait 2 jours que la vidéo est virale sur les nets. Elle a été graduée pour son diplôme de fin d'année, c'est du côté des États-Unis. Voilà, et la maman, elle est très heureuse, parce qu'à ce qui paraît, c'est sa seule fille. Voilà, elle est très heureuse, et c'est comme ça qu'elle a décidé d'exprimer sa joie. Et ça m'a rappelé beaucoup de bons souvenirs, en fait. Elle a carrément oublié qu'il y avait l'assemblée. Est-ce que ça fait quoi l'assemblée? Elle a déposé le foulard, c'est une restée, non, maman. C'est trop beau. Maman en or, oh là là. Ça fait du bien de faire plaisir aux parents. Oui, toujours. Ça fait surtout du bien de rendre fiers nos parents. Yes, ouais. Merci Nazira, c'était Sénette les amis. Tout de suite, le challenge. On vous explique le principe. Juste derrière ceci, c'est la prononciation. La phrase, 3 fois de suite sans se rater.